Bonsoir la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Promax TV, la chaîne qui traite le quotidien des Africains, surtout les Noirs, et de tous les Noirs de partout dans, du monde entier, oui. Hein? Ça traite nos souffrances, hein? Nos combats, nos bêtises, oui. Hein? Oui. Me voilà, je suis encore dans l'une de mes brousses. Vous avez compris, je m'en fais mes trucs en brousse. Oui, je suis en bordure de rivière là, regardez. À la rivière, oui. C'est dans les endroits comme ça que moi j'aime faire mes vidéos, sans vous mentir. Je suis d'abord quelqu'un de timide. Quand tu fais les vidéos en ville là, là où il y a les blancs passent là, tu es en train de... Les gens sont arrêtés, donc ça me déconcentre. Vous comprenez un peu? Les gens sont là, ils passent des regards, ils disent, mais celui-ci a le téléphone, là, il est en train de parler, mais c'est mon frère. Moi, ça me déconcentre. Je n'ai pas encore le courage comme les gens qui se placent en pleine ville là pour faire les challenges. Ils font les mettre à danser là, ils disent, merde, peut-être ça va venir avec le temps, mais pour le moment, hein, je préfère faire mes trucs dans mes brousses, mais pas que c'est tranquille. Hein. Lolo Beauté est en train de faire faux encore, oui, avec Kimi. Maintenant, c'est un certain Léonel qui apparaît dans le live de Kimi, qui fait des dons. Oui, un Léonel, ouais, un certain Léonel, c'est chaud. Kimi se laisse séduire. Attends. Ok, je vous mets la vidéo d'abord, après on va... Allez, moi je vais vous dire ce que j'ai dans mon ventre. Vous savez que moi, ça ne reste pas dans mon ventre. Vous voulez que mon ventre gonfle? Non. Quand j'ai à parler, quand j'ai à dire, je dis. On se voit très bientôt pour la nouvelle vidéo. J'ai dit même quoi même, la nouvelle vidéo. Mais là, c'est comme si je parle là. On se voit très bientôt pour le truc, pour le briefing. Hasta luego. She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me cold. I thought she was a... Sinon, à part ça, on dit quoi? Oh, merci. Voilà Léonel ici. Léonel est arrivé ici. Léonel. Tu es arrivé ici. Mettez les cœurs pour Léonel. Oh, c'est un petit qui t'aime aussi bien aussi. Un de tes abonnés aussi qui t'aime bien aussi. Léonel de Tata Lolo Beauté. Voilà. Bisous. Donc, Léonel est l'homme. Hein? Léonel, allez, bisangao, bisangao. Le petit Léonel va faire son entrée. Oh. Yé, bisanga, yé, bisangao. Un petit lionceau. Léonel, Léonel, à t'abonner avec la jardinière. L'élégance est en train d'arroser les roses. Léonel, on a besoin d'au moins 3 ou 4 petits lionceaux pour en renchérir la garde rapprochée de Kimi. Oh, Léonel, envoyez une baleine. Mais la baleine là, c'est pourquoi? Oh, Léonel, 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 Ngoma en train de renchérir un peu avec les petits fleurs. On attend les donateurs. On attend. Et Léonel est en train de framponner. Tata Lolo Beauté est devenu DJ à Glagla ce soir. DJ à Glagla avec l'univers et Joël. Oh, Léonel est en train d'envoyer une coccinelle qui a les plumes qui pendent tout blanches. Et Léonel, meilleur donateur de ce soir, Léonel fort, Josette, princesse de Kimi, les donateurs, on renchérissait le blog de notre bébé Kimi avec les lunettes de la gloire, les miroirs sous-marins à l'école. Léonel, framponne-moi la guitare. Elle est Noël, Noël en train de renchérir. Oh, Ngoma qui apparaît, l'univers qui arrose.
couper. On va décoller, on va couper. Mon bébé qui me sourit, le sourire de la gloire est dans le cas. José est en train de nous amener sur un drame. Un drame. Léonel est en train d'amener un dessin croustillant et nous emporte de Paris à Bordeaux dans un drame extrêmement dangereux. Léonel fort. Léonel fort. Léonel fort. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Bon, je suis fatigué. Voilà. Léonel. Bon. Tu arrêtes aussi. Kadola va s'arrêter aussi. Léonel. Léonel, tu ne dois pas arrêter. Jusqu'à ce que Kimi termine son live, il faut nous montrer que tu es le bouc entier de ce soir. Léonel fort. Tata Maya, la jardinière, est en train de cultiver les plantes du jardin. L'univers est en train d'assurer. Léonel nous fait décoller dans un tram qui n'a pas encore été créé dans l'univers. Il demande à Kimi de se mirer dans un miroir et sous-marin. Maintenant, une voiture des années 40 avec une carte postale. Léonel, you be you. Tata Josette qui arrive maintenant avec un TikTok comme un incroyable talent. Il y a Lise qui est en train de renchérir le blog. Kaïba, Mandine, oh, Sephora, Léonel, fort. Léonel qui emmène un téléphone qui sonne, mais le téléphone va rester fermé parce que le numéro il est privé. Léon, il y a quoi? Tais-toi là-bas, je suis en train de faire mon travail. Oui, oui, oui. Léonel, Tata Maya qui a rose et qui a renchéri. Qu'est-ce que Léonel nous prépare? Quel jet privé qu'il va envoyer? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer ce soir, Léonel? Tu veux nous dire quoi? Tu apparais dans un live où tu satures le travaillement. Léonel qui nous apporte maintenant des cœurs. Mais définis-nous tes cœurs parce qu'actuellement on est violent. La Tata méchante, elle est là. Hein? Amène-nous les jets privés, les décollages, mais attention au cœur. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Oh, Léonel, le jet privé, qui me s'assoit devant, la tata s'assoit au troisième rang pour assurer l'avenir de sa nièce. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tata Josette, Naïs, est en train de renchérir. Qui es-tu, Léonel? Dis-moi, qui es-tu? Hé, hey, Léonel! Il te sabari sans cadeau, il te balala. Léonel Digila. Et te faranita, il te toila, il te digila, il te balala. Léonel. Un peu d'eau. Oh Seigneur, je me blesse. Merci beaucoup Léonel. Donc arrivons à 2 millions de j'aime et puis je quitte maintenant le live pour laisser place maintenant à la jeunesse. Rapidement les 2 millions de cœurs, Léonel fort. Je veux voir en commentaire Léonel fort. Je veux voir, mais ce soir là, il y a personne pour détrôner Léonel. J'ai dit les boucs entiers sont où? Les boucs entiers sont où? Léonel a saturé. Tata Nel maintenant qui arrive. Mais Léonel ne se laisse pas faire. Il a été préparé. Il a été préparé. Depuis le feu est sortant maintenant le travaillement des travaillements. Je veux voir en commentaire. Léonel fort, Léonel fort, Léonel fort, Léonel fort. Non, mon petit, tu as fait fort ce soir. Mon bébé Kimi, je suis vieille, je suis fatiguée. Il n'est plus 16 ans. Je suis maman à 37 ans maintenant, j'attends. Donc, maman a 19 ans. Maman a 19 ans. Il n'est pas le lot.
N'oubliez pas les palettes de Kimi. À chacune ces palettes, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Je vous dis toujours, quand vous achetez les... Vous avez suivi, vous avez vu. J'ai encore besoin de parler. Non, dites-moi, est-ce que j'ai besoin de parler? Vous avez tout vu, non? Quand on va argumenter, on va dire, vraiment, la femme, c'est quand même se laisser séduire par l'argent. Aïe! Vous avez vu le sourire de Kimi? Comment Kimi riait quand le gars l'a foiroté, ça faisait qu'entrer, faisait que faire des dons là. Vous savez comment Kimi était joyeuse? Lolo Beauté avait la talakou. DJ Lolo Beauté faisait son travail. Oui, l'argent doit entrer. Oui. Ouais. Le donateur, le majeur donateur, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, dans Lolo Beauté, tu as fait ton travail, oui. Mais vous voyez donc que, malgré tout, tout ça là, ah, tu commences à... Elle commence à Talakou, Léonel, là. À Talakou, Léonel. Quand Kimi va maintenant s'intéresser, elle tombe. Je vais vous raconter une histoire. J'ai une cousine. Elle est du genre... Aïe, il te faut une femme, hein. Il te faut une femme. Quand tu descends au pays, elle te dit, il te faut une femme. Non, mais comment tu peux venir ici, là? Il te faut une femme. J'ai une amie là que je vais te présenter. Elle te présente, l'ami, bien. Elle te présente. Dès que tu connais, tu pars, tu connais l'ami, vous prenez un pot, vous partez ensemble. Toi, l'ami et ma cousine, vous partez au restaurant, vous faites un restaurant, hein, vous comprenez un peu. Vous faites un restaurant, vous faites ceci, après vous sortez en boîte, vous dansez. Et le lendemain, tu prends encore ta cousine, vous partez. Elle appelle son ami, vous sortez et tout et tout. Quand la relation commence à donner avec son ami, logiquement, c'est que vous devez maintenant sortir à deux. Elle n'est plus là. Elle n'est plus concernée. C'est maintenant vous deux. Elle vous a mis ensemble. Non? Maintenant, vous devez sortir ensemble. Ce n'est pas que chaque fois que vous allez sortir, maintenant, ta cousine va être là. C'est là où les choses commencent à gnaka. Attaque. Oui. C'est là où elle ne veut plus d'argent. Ça devient qu'on commence à jalouser. Elle jalouse son ami. Parce que son ami soit avec son cousin. Elle commence à jalouser. Pourtant, c'est elle qui a présenté. Pourquoi? Elle se sent écartée, déplacée. C'est ça. Avec tout là. Donc on veut aller au restaurant avec elle. On veut se dire qu'elle doit être là. Même si on veut aller au lit, elle doit aussi être là. Mon frère, c'est quoi? C'est là où elle commence à gâter la relation. Donc, ce qu'elle a arrangé là, quand elle voit que vous êtes bien, elle gâte. Elle sort, elle a tué les balles qu'elle sort, du chéri qu'elle sort, pour gâter la relation. Elle s'invente un truc, elle crée une situation là, ça vous gâte. C'est comme ça. Tu vois, l'autre approche, elle dit, ouh, j'ai une amie, aïe, elle a un bon caractère. Non, c'est ce qu'il te faut. Donc, tu dois l'épouser. Non, c'est comme ça là. Elle présente, ça donne. Vous commencez à vous connaître, toujours la même chose, c'est comme ça. C'est ce genre de personnes là que Lolo Beauté est. Là maintenant il dit Léonel, Talakou Léonel, attendez. Imaginons que ça finit avec Arcel là, que c'est vraiment fini, que Kimi n'arrive pas à se réconcilier avec Arcel. Elle tombe maintenant sur ce Léonel là. Quand les choses ont commencé à marcher, vous allez voir, elle va vouloir être au milieu. C'est comme si elle qui décide quand vous voyez. C'est elle qui décide même quand vous voulez peut-être faire l'amour. C'est elle qui, oui. Ce n'est pas le cas. Elle se sent déplacée. Elle gâte. C'est comme ça que ça va se passer. Je vois, c'est le genre de personne là. Je lis ça dans ses mouvements, dans sa manière d'agir. Donc ne voyez pas Léonel s'est monté et descendu là. Si Kimi fait l'air de tomber, qu'elle va mourir, elle va chez, après, dans le futur, elle va gâter encore. Maintenant, c'est que Léonel, le donateur, oh Léonel, le machin, c'est le meilleur. Le temps là, ça sera que Léonel, papa, je ne sais pas là, Chile. Peut-être que papa a 30 ans.
Papa n'a 35 ans. Papa n'a 40 ans, ça sera maintenant ça. Allez, oui. Vous allez voir. C'est moi qui vous dis, c'est ce genre de personne. Donc, elle ne m'inspire pas confiance, même pas un peu. Soit j'ai la personne qui est bipolaire, elle a des changements d'humeur. Chaque temps. Oui. Et je vous jure. Donc, c'est ces histoires. Regarde, hey, Kimi. Ah, comme Kimi sourit, elle rit. Aïe, l'argent séduit la femme. Je confirme que l'argent séduit la femme. Ha. Yes. Non, la femme est matérialiste d'abord de nature. Là, je sais ça. Certains sont plus matérialistes que d'autres, mais les femmes en général sont matérialistes. Je confirme ça. Si tu veux une bonne femme, une femme, cherche d'abord l'argent. Quand tu auras l'argent, c'est un conseil que vous donnent les jeunes. Quand vous êtes en train de vous chercher là, vous cherchez. Ne donnez pas l'argent aux femmes. L'argent que tu travailles, tu parles à la femme. Non. Cherche l'argent là, tu progresses. Quand tu vas progresser, que tu as bien l'argent, c'est les femmes là qui vont venir. Elles vont venir seules. Elles vont te poursuivre. Ne veux pas que tu travailles un peu d'argent, tu poursuis les femmes avec ça. Elles vont te minimiser. Non. Concentre-toi, tu cherches l'argent. Quand tu as l'argent, les femmes là, elles vont venir. Elles vont te suivre. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker. Si ça vous a plu, likez et partagez. Et si ça ne vous a pas plu, likez encore même et partagez. Ok? Hasta pronto.